C'est bon, c'est ça. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la journée ville propre aujourd'hui à Agoignivé 3. Pourquoi vous avez mobilisé tant de monde pour balayer le CMS de Lavagnon? Merci pour la question. Il faut reconnaître que la décentralisation n'est plus dans le passé. C'est maintenant chose faite. Donc, la commune maintenant prend à bras le corps la propriété. Donc, en tant que le maire et les conseillers, nous avons décidé aujourd'hui d'être au CMS parce que c'est un CMS qui nous a été offert par l'État tout récemment et il faut qu'on l'entretienne. Alors, si vous aviez un message à l'endroit des citoyens, ce serait de dire d'abord qu'avec la décentralisation, nous devons prendre soin de nos milieux. Effectivement, donc la décentralisation est venue, nous avons reçu maintenant les compétences de gérer nos communes. Alors nous devons démontrer à l'État qu'il ne s'est pas trompé. Et nous devons démontrer aux autorités qu'elles ne se sont pas trompées. Donc il faut que maintenant, toutes les populations se mobilisent pour ce genre de travail qui est de goût propre, décrété par le gouvernement chaque premier samedi du mois. Au-delà de l'opération Togo Propre, en tant que maire, est-ce que c'est un message à tous les citoyens pour rendre propre toujours les lieux publics? Oui, en tant que maire, nous avons pris sur nous-mêmes, n'est-ce pas, d'assainir complètement notre commune pour que ce soit une commune qui attire le monde. Parce que c'est important. Et on a l'habitude de dire qu'il faut un corps sain dans un environnement sain. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de maladies qui circulent de part et d'autre. Ce n'est pas seulement les samedis, premier samedi du mois seulement que nous allons, n'est-ce pas, entretenir notre commune. Aujourd'hui nous sommes sortis et d'autres jours nous allons choisir autre jour, n'est-ce pas, pour sortir afin que notre commune soit propre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup.